Salut, salut tout le monde. Cette fois-ci, on s'attaque à une nouvelle ferme, hein, puisque après les villageois et leur spécialisation, maintenant qu'on peut les spécialiser, on peut faire des fermes qui les utilisent. Et notamment ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire une usine qui nous permet de récolter automatiquement. Alors, il y a du blé, ça crée aussi du pain. Ça fait des fois des graines, ça permet aussi d'avoir de l'engrais, ça permet aussi d'avoir des betteraves, ça permet aussi d'avoir des pommes de terre et des carottes. Donc c'est vraiment tout emploi. L'intérêt, c'est que vraiment vous n'avez pas besoin, vous restez à proximité, mais vous n'avez pas besoin d'intervenir. C'est les villageois qui font le travail pour vous. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc ici vous avez le système avec, ah bah tiens, il y a encore du pain, il y a encore de l'engrais, il y a encore des carottes. Bon, ça j'irai les amener un peu plus tard, je vais ranger ça, ça donne beaucoup en pommes de terre par contre, hein. Du pain, comme vous voyez, j'en ai quand même pas mal parce que j'en mets de côté, je sais plus quoi en faire. C'est impressionnant. Quant aux pommes de terre, j'arrive à les dealer avec les fermiers. Alors le pain, c'est où? C'est pas ici, c'est ici. Ouais, voilà, c'est ici. Comme vous voyez, regardez, j'en consomme beaucoup moins que ce que j'arrive à en produire. Donc voilà. Alors comment ça marche? Tous les étages sont sur le même principe. Donc là, pour l'instant, j'ai 6 modules, j'ai 3 étages qui marche sur la même dynamique, c'est à dire que vous avez ici, hop, je vais essayer de grimper, je ferme pour pas que le villageois se barre. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez un espace de 9 sur 9. Alors ici c'est pas vraiment le cas, vous devez avoir 8, mais bon, faites des espaces de 9 sur 9, ça marche à peu près comme si vous avez vu mon épisode sur la ferme à villageois, c'est exactement pareil. Vous avez les espaces de 9 sur 9, sauf que plutôt que de mettre le composteur ici en centrale, je l'ai mis ici. Pourquoi? Parce que comme le villageois a tendance au bout d'un moment à aller au composteur, il voit le deuxième villageois qui est au milieu, et donc il va avoir tendance à faire ce qu'il a à faire au niveau du composteur et après venir ici, et il va essayer, en fait, le principe, comment vous faites pour récupérer tout ce qu'il y a ici. C'est simple, ils m'ont encore recréé du pain. C'est simple, c'est parce que en fait le villageois va chercher ses cultures, et donc au bout d'un moment, en revenant ici, l'autre villageois lui demande à manger. Et donc vous mettez un hopper au milieu, un entonnoir, excusez-moi, vous mettez un entonnoir au milieu, vous voyez, je l'ai rattaché et je l'ai fait monter d'étage en étage, ce qui fait que quand ici ce villageois qui récolte les choses essaye d'envoyer à l'autre villageois, l'entonnoir récupère entre deux. Moralité, le villageois du milieu réclame tout le temps au villageois qui lui cultive, et donc... Pour que ce soit un villageois là au milieu, j'ai mis un composteur normalement au milieu aussi. Si on se met en centrale, on peut le voir. Et donc, tous les entonnoirs sont rattachés pour arriver à ce coffre. Et donc, tout est produit dans ce coffre. Tout ce qui est envoyé en fait aux villageois est récupéré dans le coffre. C'est aussi bête que ça. C'est ni plus ni moins que le système de la ferme à villageois, mais avec des entonnoirs à la place des barrières où les petits bonhommes tombaient. Et là où tombaient les petits bonhommes, justement, bah, on a mis un villageois avec un composteur à côté pour le transformer en fermier. Et donc, il y a possibilité de faire du trade aussi avec. Et donc, chaque étage, c'est pareil, sauf que chaque étage n'a pas son coffre, le coffre est en bas. Et vous avez toute une série d'entonnoirs, en fait, qui montent au fur et à mesure. C'est aussi bête que ça. Et donc, vous voyez, regardez, ils vont qu'à leurs occupations, ils récupèrent. Et au bout d'un moment, ils vont au composteur, et en allant au composteur, ils s'aperçoivent qu'il y a le villageois, et donc ils font du trade avec le villageois. Ça, sur 3 étages, avec 2 modules à chaque fois. D'où, ça donne super bien, et il y a moyen de faire pas mal de fric avec cette petite ferme qui est assez simple. Donc, des espaces de 9 sur 9, avec évidemment les composteurs pour que vos villageois deviennent des fermiers. Un fermier par cellule, et un fermier au milieu qui fait du trade. Voilà. Et donc,
comme il y a les entonnoirs de chaque côté, donc de ce côté-ci mais aussi de ce côté-là, comme vous pouvez le voir, regardez, et ben le villageois au milieu qui quémande de la nourriture. Les autres essayent de lui en donner, essayent de faire du business avec, sauf que à chaque fois c'est interpellé, intercepté, excusez-moi, par les entonnoirs. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est hyper efficace, et en début de jeu, ça peut valoir le coup de prendre le temps de faire tout ça. De récupérer des villageois et tout reste et de les faire trader, parce que comme vous voyez après vous êtes totalement indépendant au niveau de la nourriture, et ça vous permet aussi de trader très facilement avec les fermiers et de gagner masse émeraude pour après pouvoir acheter d'autres choses plus intéressantes, de l'équipement ou alors des enchantements. Voilà, c'était ma présentation de la ferme à villageois. Elle est vraiment très très simple. C'est sur le modèle de la ferme, excusez-moi, à culture. Elle est sur le modèle en fait de la ferme à villageois, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, vous pouvez aller voir la ferme à villageois aussi. J'ai déjà fait un épisode dessus, notamment la ferme à golem, puisqu'il me fallait de toute façon des villageois pour faire une ferme à golem. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous intéresse. N'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à liker, et n'hésitez pas à parler de cette chaîne auprès des vôtres, s'ils sont intéressés par du Minecraft. Voilà, je vais continuer dans ma présentation des fermes. J'espère que ça vous intéressera tout autant. Allez, bye bye, salut !